Salut la famille, je suis encore de retour comme promis sur la vidéo précédente. Ici, je viens vous montrer comment recharger notre compte OneXBet à travers la plateforme OneXBet Pay via Airtel Money. En temps normal, je ne devrais pas être sur cette plateforme, mais je viens vous montrer la somme que j'ai pour vous rassurer après la transaction, pour qu'on sache tous que ça a été fait avec succès. Vous voyez mon compte 3500. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de prendre ne serait-ce que quelques secondes de votre temps. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Et sur cette chaîne, nous publions des vidéos d'apprentissage, d'amélioration des connaissances en matière de OneXBet. Et pour que tout cela soit fiable et vite fait, pour simplifier la tâche, vous allez vous inscrire à OneXBet avec le code promo 45X45 et pariez également avec. Quand vous pariez avec, vous avez 98% de gagnés. Surtout avec le code promo 45X45. Je vais aller maintenant à la plateforme OneXBet Pay pour vous montrer comment faire le dépôt pour recharger notre compte OneXBet. Et une fois ici, nous allons cliquer sur faire un dépôt. On clique ici, faire un dépôt. Et sur la vidéo précédente, je vous avais dit pour vous inscrire sur OneXBet Pay, il vous est recommandé de mettre votre numéro ID du compte OneXBet. Et une fois que l'inscription a été bien faite, quand vous rentrez sur la plateforme OneXBet Pay, automatiquement le numéro ID s'affiche. Et voici mon numéro ID. Et ici, nous venons ici. Je vais prendre juste 2000 pour vous montrer comment faire le dépôt. Je prends 2000. Voici 2000. Et ici, on a 6% comme frais de transaction. Et en temps normal, nous devrons payer 2120 francs. 2120 francs que nous devons payer. Et une fois ici, vous voyez qu'ici, il y a deux options. Il y a MobiCash et il y a Airtel Money. Ici, je prends option Airtel Money. Je clique là-bas. Et une fois cliqué sur Airtel Money, nous venons cliquer sur payer. Nous allons cliquer sur payer. Et nous cliquons ici payer. Une fois cliqué sur payer, automatiquement le code d'agence de l'administrateur s'affiche là et ça sera copié automatiquement aussi. Donc ici, nous allons cliquer sur continuer. Je clique sur continuer. Un peu de patience. Et une fois ici, nous allons coller le code d'agence qui nous est donné sur option payer. Une fois cliqué ici, nous collons le code d'agence et on vient cliquer sur envoyer. Je clique ici. Ici, on nous demande d'insérer le montant. Et n'oubliez surtout pas, à ce niveau-là, vous allez mettre 2120 francs, puisqu'il y a les frais à payer. Vous mettez 2120 francs pour que 2000 soient soldés sur notre compte OneXBet Pay. Une fois que vous avez mis la somme, 2120 francs, on va cliquer sur envoyer. Une fois cliqué sur envoyer ici, on nous demande de confirmer notre mot de passe Airtel Money. Notre mot de passe Airtel Money. Ici, je vais insérer mon mot de passe. Vous faites pareil. Une fois inséré le mot de passe, je vais mettre envoyer. Et une fois à ce stade-là, on nous demande seulement un peu de. Et puis, on vient ici. Il y a un message qui nous est envoyé pour le
dépôt qu'on a fait sur le compte. Et ici, je viens sur messagerie pour juste prendre, je copie le message qui m'est envoyé. Et ici, je pars coller sur. Je vais aller coller ça sur Telegram. Question de pouvoir saisir le numéro ID. Le numéro ID de notre. Numéro ID de la témoignée du dépôt qu'on a fait. Je viens sur Telegram. Ce n'est pas forcément que vous, si vous passez sur Telegram, c'est juste seulement pour pouvoir prendre le numéro ID. Et une fois ici, je colle le message là et je viens prendre, je veux juste le numéro ID que je prends. Ça commence par C et ça finit par 1. Je copie le numéro ID et maintenant je repars sur la plateforme. Et une fois ici, nous allons venir coller le numéro ID qu'on a copié l'autre côté. On colle le numéro ID ici. Et une fois qu'on a collé, on va aller cliquer sur payer. Je clique là, payer, et on demande, et puis on va cliquer sur et désolé, une fois ici, on va cliquer sur envoyer. Désolé, on va cliquer sur envoyer. Envoyer plutôt, pas payer, mais envoyer. Je clique sur envoyer, le temps de patienter. Et voilà, c'est noté ici. Demande envoyée avec succès. Ici, les questions de patienter. Le temps, voici. Votre demande de dépôt est livrée. Un administrateur vient d'éprouver votre requête. Et je vous demande encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification. Et si vous êtes gentil, donnez-moi un pouce bleu. Ça nous encourage, ça nous motive et ça donne plus de visibilité à la chaîne. Et ça me va droit au cœur. Je vous remercie. Et une fois ici, je vais repasser sur mon compte OneXPet pour vérifier voir si le dépôt. Notre dépôt a été fait ou pas. Et une fois ici, vous voyez ici, $5 500. Au début, j'avais $3 500. Et ici, on a $5 500. Ce qui prouve que le dépôt qu'on a fait a été validé avec succès. On n'a pas raté, on n'a pas fauté. Et si vous suivez point par point, c'est vite fait, c'est rapide. Vous voyez que ça n'a même pas pris du temps. En un clin d'œil, on a rejoint notre compte. Et avec ça, on peut parier avec le code promo 45X45 et avoir 98% de gagnés. Sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le retrait. Comment arrêter notre argent OneXBet via la plateforme OneXBet Pay sur notre compte Airtel Money. Je vous dis que l'application, ça n'existe pas sur Play Store, ça n'existe pas sur Google. Je vais laisser le lien de l'application en description pour vous permettre de télécharger. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, vous vous inscrivez. Il y a une vidéo précédente qui montre comment s'inscrire sur la plateforme. Et il faut avoir un compte aussi, OneXBet. Et pour avoir ce compte, je vous recommande de vous inscrire avec le code promo 45X45 pour avoir des bonus en illimité et avoir des paris gagnés aussi, sans doute, avec assurance. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo qui va nous montrer comment faire un retrait sur nos comptes OneXBet. Je vous remercie.